Bonsoir, merci d'être là. Nous tenons en premier lieu à remercier les partenaires qui permettent la réalisation de cette soirée. Monsieur le maire, les élus, l'inspecteur d'académie, madame Nguyen, vous, parents et amis de l'école, les collègues enseignants et les élèves, bien sûr. L'expression artistique est au service de l'éducation globale qui, en ces temps incertains, doit promouvoir des valeurs humanistes. Ce soir, tous les élèves de Sévérac-le-Château, de l'école maternelle et de l'école élémentaire, mais aussi les élèves de l'école de la Panouse, nous convient à une rencontre exceptionnelle lors d'une année sur la Terre. Bon, le spectacle ne sera pas parfait, mais sûrement intimidés par ce baptême des planches pour certains d'entre eux, les enfants mettront tout leur cœur et essaieront de donner le meilleur d'eux-mêmes.
notre planète. Bon, ben je reste. École qui chante, une rencontre de plus, une des 12 à 15 rencontres actuellement annuelles sur le département de l'Aveyron. Donc un projet à l'initiative de la DESDEN, du Conseil pédagogique musique, mais surtout de l'ensemble des maîtres qui ont accepté d'œuvrer dans cette belle réussite. L'aventure commence par une réunion au cours de laquelle nous prévoyons un petit répertoire tous ensemble. Et puis s'ensuit donc un travail en classe où les élèves vont effectivement s'apparaître. Prendre en compte un petit peu ces chants-là, les choisir et puis les apprendre. En fin de l'année, un projet de petit scénario, ce petit scénario qui va être répété au cours de la journée, qui précède le concert. Donc un travail relativement intense, un travail relativement prenant, mais avec plein d'apprentissages sous-jacents qui sont vraiment, je crois, au service de cette culture humaniste que l'école se doit d'offrir à nos élèves. Et alors aujourd'hui, vous aviez combien d'élèves ? Alors aujourd'hui, donc 250 élèves des écoles de Sévérac élémentaire, Sévérac maternelle et La Panouse qui se sont retrouvés donc pour nous parler de cette année un petit peu sur Terre avec cette surprise du Martien évidemment qui, nous découvrant notre planète sous un drôle de jour, finalement l'a adopté tellement il y avait de plaisir à y trouver. Et combien de maîtres ? Voilà, l'ensemble des classes donc de primaire, de la maternelle et de La Panouse ont travaillé dans leur intégralité. Voilà, donc une douzaine de maîtres qui se sont retrouvés pour ce projet qui a été vraiment très fédérateur.